retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, Diamond Painting. En ce moment, vous en avez beaucoup, hein. Bonjour Fifi. Alors, aujourd'hui, je vais démarrer, comme vous avez vu sur la dernière vidéo, j'ai terminé ma cascade. Donc aujourd'hui, je vais commencer un nouveau kit. Donc c'est un kit que j'avais eu en partenariat à la boutique Mes Petits Diams. Voilà, j'avais pas encore pu le commencer, puisque comme j'avais les cascades de commencer, puis j'avais fait les petits, donc celui-là, j'avais pas pu le commencer encore. Donc, je vais l'attaquer aujourd'hui. Alors, je vous montre comme ça, mais je vous remets la photo, hein, voilà. Et Johnny Hallyday. Donc, en fin de compte, c'est moi qui le fais. Donc, celui-là, c'est un 40-50. Voilà, et c'est il y a 40 couleurs, voilà, vous voyez, je vous montre ici, 40 couleurs. Ici, les couleurs, je vous avais déjà montré quand je vous avais présenté le kit, hein, mais je vous remonte pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Toutes les perles sont mises dans des paquets zippés, voilà, vous voyez. Donc là, il y a des paquets où il n'y en a presque pas. Donc, j'ai calculé en tout, j'ai 30 772 perles à coller sur mon petit kit. Vous voyez, donc j'ai du rose, j'ai du vert, kaki, j'ai du vert un peu beige, j'ai du gris. Bon, il y a vraiment toutes les couleurs, hein. J'ai du rose, du bleu, comme ça. Bon, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de couleurs. Et j'ai un sachet. Donc là, c'est les noirs. Mais alors, celui-là, le sachet, j'en avais jamais eu comme ça. Le voilà. Voilà ma main. Et voilà un sachet normal que l'on a d'habitude. Voilà, vous voyez, il y a une différence. Donc là, j'ai 8846 perles dedans, de noir. Je vais m'amuser avec le noir. Donc moi qui crise un peu quand j'ai du noir, ben là, je vais en avoir quand même, mais bon. Ça ira quand même. Alors, là, je vais préparer avec vous mes perles, parce que, vous voyez, je ne les ai pas préparées. Bon, ici, ce qu'il y aura de bien, elles sont déjà en papier zippé et déjà étiquetées. Donc, une fois que j'aurai terminé le kit, je n'aurai pas besoin de retransvaser dans des sachets. S'il en reste dans mes boîtes, je vais retransvaser dans cela et c'est tout. Voilà. Faire des économies de sachets. Alors ici, je vais faire mes perles. Alors dans cette boîte là, hein, voyez que j'ai des, celle là est toujours numérotée, hein, 1 2 3 4 5 6, ça j'ai pas changé, hein, j'enlève pas mes étiquettes, puisque de toute façon, en plus là sur le kit, sur la feuille de bord, c'est déjà prévu, voyez, 1 2 3 4 5 6, et là j'ai mon numéro DMC, là c'est le nombre de perles, et ici c'est le symbole qui correspond. Mais je n'ai plus qu'une boîte comme ça, puisque j'en avais 3 et j'en ai donné 2 à mon mari. Du coup, il faut que je recommande. Je vais voir ça le mois prochain. Donc, en attendant, je vais mettre le reste dans les petites rondes comme ça de chez Action. Ça ira aussi bien. Donc là, je les ai numérotés pour aller jusqu'à 40. Voilà. Donc, je ferai dans cette boîte-là. Ce sera pareil. Vous voyez. Je m'arrangerai comme ça. En attendant de pouvoir reprendre des boîtes comme ça. Donc, voilà. Donc là, je vais vous basculer. Et alors je vais vous basculer, mais alors maintenant voilà, j'ai eu mon nouveau bras de caméra. Voilà,
je vous montre. Alors, ne me demandez pas où je l'ai eu. Alors, je vous montre. Comme vous voyez, il s'attache à la table. Voilà. Et donc, je vais poser mon téléphone ici, dessus. Alors, ne me demandez pas où je l'ai eu. Parce que ça, c'est mon fils qui me l'a fabriqué. Voilà. Donc, c'est du fait maison. Et donc, c'est lui qui me l'a fabriqué. Bon, il avait le... Avec son imprimante 3D. Et donc, il avait le... Comment ? Ça, ici, ça se plie. Je peux le plier dans tous les sens. Donc, je peux mettre ma caméra, enfin, mon téléphone maintenant un peu comme je veux. Pour avoir des vues un peu plus plongeantes. Donc là, maintenant, on va essayer de faire comme ça et je pense que ce sera beaucoup mieux. Donc, vous voyez, hop, bon, ça grince un peu, mais ça, c'est rien. Vous voyez. Donc là, maintenant, quand je fais de face, je vais garder mon pied là sur lequel vous êtes actuellement. Et quand je fais sur mon travail de table, je vais me servir donc de ce pied-là que mon fils m'a fait. Voilà. Et oui, un fils bricoleur, comme sa maman. Allez, je vous remontre également le plateau que j'avais. Je ne sais pas si je vais utiliser celui-là, hein, je verrai. Je sais pas. Donc là, je vous rappelle que ça vient de la boutique Mes Petits Diams. Donc, je vais vous mettre les liens en barre d'infos, comme d'habitude. Le lien de sa page Facebook, de sa boutique, le lien du kit. Le code promo également que vous pouvez toujours utiliser si vous n'avez pas encore passé de commande sur la boutique qui vous permet de bénéficier de 10% de remise sur votre commande. Et n'hésitez pas à aller vous inscrire, à aller liker sa page Facebook Coralie, comme j'ai déjà expliqué plusieurs fois, Coralie est très accessible. Elle répond à vos questions, elle peut vous renseigner sans problème, elle vous répond très rapidement et voilà. Alors, une petite chose que je voudrais préciser pour sa boutique, pardon, avec le contexte actuel. Oh, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Vu le contexte actuel, bon, il n'y a pas de souci, les colis partent toujours. Il n'y a aucun problème. Bon, ils peuvent avoir par contre maintenant un peu de retard. Au lieu de 48 heures, ça peut peut-être mettre 3 jours ou 4 jours. Alors là, c'est le bon vouloir de la poste française qui d'ailleurs va travailler moins à partir d'aujourd'hui, d'ailleurs, puisqu'ils ont dit qu'ils allaient faire 4, cette semaine, ils vont travailler 4 jours par semaine. Donc pour les courriers et les colis. Hein. Et la semaine prochaine, à partir du 30 je crois, ils ne feront plus que 3 jours par semaine. Voilà. Maintenant, les courriers, les colis vont être un peu plus longs à arriver. Mais ce ne sera pas de la faute de la boutique à Coralie. Ce sera juste l'acheminement par la poste qui va être plus long. Sinon... je disais tout ça pour vous dire quoi. Oui, dans sa boutique, elle fait également les diamond painting personnalisés. Mais voilà, donc pas à cause du contexte actuel, les personnalisés, pour l'instant, elle les a mis en stand-by. Elle ne les fait pas parce que bon, le délai déjà est un peu plus long pour ça. Et là, les délais risqueraient d'être beaucoup trop longs. Et comme elle disait, par respect pour sa clientèle, elle préfère mettre carrément cette rubrique-là en stand-by pour l'instant, en attendant que tout aille mieux, hein, que tout ce qui se passe en ce moment aille mieux. Et après, elle le remettra en activité sur sa boutique, sans problème. Voilà. Mais sinon, pour l'instant, vous pouvez continuer à trouver dans sa boutique les diamond painting complets, les diamond painting avec les diamants spéciaux, les accessoires, les petits diamond painting style
marque-page, porte-clés, voilà, tout ça. Tout ça, ça marche encore. Il y a juste les personnalisés qui, pour l'instant, sont en stand-by sur sa boutique. Elles s'en excusent, mais là, c'est impossible pour l'instant de le faire, vu les délais actuels. Voilà. Donc, parenthèse ouverte, parenthèse fermée, mais c'était très important que je vous passe ce message. Voilà. Donc, j'étais en train de vous montrer. Donc, j'ai eu une grande tablette, vous voyez, par rapport à l'autre, vous voyez. Donc, elle est vraiment beaucoup plus grande. Hein. Alors, on va mettre la verte dedans. Donc, j'ai la pince, toujours. Celle-là, c'est la meilleure des pinces. Hein. Moi, bon, j'avais la même la dernière fois qu'elle m'a envoyée. Mais en doré, donc là j'utilise la dorée, hein, je vais, voyez. Donc là c'est la même mais en noir. Ces pinces-là vont super bien, elles ont des pointes qui piquent bien, voilà. Et on n'a aucun problème pour attraper les perles. Donc c'est les meilleures que l'on peut avoir, que je trouve moi pour le moment, voilà. Avec, donc j'avais ce stylet. Qui une perle d'un côté, la petite mousse confort, hein, et le ici où on peut piquer 5 perles ici, et j'ai le plus grand. Voilà, je vais mettre par rapport à mon pull, on verra mieux. Là, on peut piquer une dizaine de perles. En même temps, hein? Et bien sûr toujours le, là j'ai eu un double carré rose de glu, et elle, comme d'habitude, il y a le petit mode d'emploi. Voilà, je vous le remontre, et ça je vous l'ai déjà expliqué à chaque fois, hein? C'est un petit mode d'emploi qu'elle met dans chacun de ses kits pour expliquer, ben, pour les novices, hein, pour les personnes qui n'ont jamais fait diamond painting. Elle donne des petits conseils, elle explique comment ça fonctionne, comment on fait un diamond painting. Voilà, en donnant des petits conseils en plus derrière. Voilà. Là, bien sûr, toutes ses coordonnées ici derrière. Mais moi, je vous remets bien toutes les coordonnées en barre d'infos. Donc ça, vous l'avez à chaque kit. Hein. Donc c'est vraiment très bien. Donc là, sur mon kit, moi, j'ai eu la feuille de bord. Voilà. Donc comme ça, j'ai ma liste de toutes les perles. Alors ces feuilles-là, moi, je fais mon possible pour les garder, même quand j'ai terminé mon kit. Comme ça, quand il y a une copine qui fait le même kit et qui n'a plus sa, qui a perdu sa feuille ou qui ne l'a pas pour X raisons, c'est toujours sympa de l'avoir. D'ailleurs, je vais bientôt plutôt me mettre tout ça dans une pochette pour les garder en mémoire dans une pochette. Comme ça, si un jour les copines ont besoin, mais moi je les ai sous la main. Et dans une pochette, elles seront bien, elles ne vont pas s'abîmer. Voilà. Donc, et maintenant, le kit. Donc, je vous disais, c'est un 40-50. Hein. Donc, voilà. Donc, il est nickel. Hein. Il n'a aucune rivière. Je vous montre par derrière. Voilà. Il n'a vraiment rien du tout. C'est vraiment une toile super. De toute façon, toutes ces toiles sont d'une qualité superbe. J'ai vraiment rien à redire. Alors, maintenant, je vais vous basculer. Enfin, je vais vous changer de bras maintenant, je vais dire. Et on va préparer les perles ensemble. Voilà. À tout de suite. Donc voilà, je suis là. Donc du coup maintenant, bon, vous êtes vraiment en vue plongeante, j'espère que ça ira, enfin vous voyez déjà bien avant, hein, mais là je pense que ça ira encore beaucoup mieux. Et même moi, pour vérifier si je filme bien, ben, j'ai le téléphone
au-dessus du nez, c'est très bien. Allez, on va préparer. Donc là, je vais faire, je vais pas faire 1, 2, 3, je vais prendre au fur et à mesure qu'ils viennent. Donc là, j'ai le 26. Donc, ceux qui n'y a pas beaucoup, bon, bah, du coup, voilà. Je garde les sachets, bien sûr. Allez, on accélère. J'ai terminé de préparer les perles. Ici, ici et dans le grand. Voilà. Donc bon, cela je ne les retourne pas. Hein. J'ai pas confiance, confiance. Donc maintenant, je vais préparer alors la toile. Pousser les perles pour faire de la place. Je vais vous remonter un petit peu. Voilà. Vous voyez là, elle roule. Donc, ce qu'il faut, hop, on va mettre la télécommande d'un côté. Donc pour plus que ça roule, voilà. On va les faire d'un côté d'abord.
Voilà. Et le dernier. Voilà, maintenant je peux les remettre bien à plat. Voilà, et maintenant je vais faire de l'autre côté. Donc ça fait que ça fait remettre la toile à plat. En plus, la toile est super belle. Hein. Vous voyez, il n'y a aucune rivière. Elle est très bien imprimée. Voilà. Voilà, ma toile maintenant est bien à plat. Donc, je vais pouvoir la commencer. Donc, je vais la commencer ici en haut. Alors, je vous montre. Alors, attendez. Que je ne vous avais pas montré. Vous voyez ? Mes petits diams. Et la toile est bien notée au nom de mes petits diams. Au nom de la boutique. Allez, on va attaquer. On va commencer un petit peu. Allez, on va commencer ensemble un petit peu. Donc moi, je commence toujours en haut à droite, comme je suis droitière. Et je ne déchire jamais les papiers de protection. Hein. Je vois beaucoup qu'ils font, mais moi, non, je ne veux pas déchirer. Comme ça, après, je repose et ça empêche un peu la poussière de se mettre sur le travail. Alors, là, c'est eux. Donc, c'est des perles carrées. Hein. J'ai oublié de vous le dire. Yeah. Allez, on est parti.
aujourd'hui. Toujours Fifi qui passe. Voilà pour aujourd'hui. Vous avez vu le démarrage du nouveau Diamond Painting, donc sur Johnny Hallyday. Vous avez vu comment je range mes perles également. Donc là, je referai une vidéo à la fin de la semaine pour vous montrer où j'en suis arrivée. Bon, ils se collent bien, les perles vont bien, elles ne sont pas abîmées, elles ne sont pas collées, rien, elles sont de très bonne qualité, donc il n'y a aucun souci. Donc voilà, donc je vais vous laisser pour aujourd'hui. Et maintenant, je vais aller faire dodo parce qu'il est presque minuit. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, nouvelles aventures. À très bientôt. Bisous, bisous.